Bonjour, bienvenue sur la chaîne Bokeh. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment configurer les types de documents Zotero dans Bokeh. Prenons par exemple une notice de film. Je vais l'exporter vers Zotero via le connecteur Zotero qui est valable pour Firefox ou pour Chrome. Donc j'ai le petit icône qui me propose de sauvegarder dans Zotero. Si j'ouvre Zotero, je vois que le document a bien été exporté. Sauf que le type de document, ici, ce n'est pas un film, c'est un livre. Et tous les champs qui sont associés correspondent à un livre et pas à un film. Donc pour remédier à cela, je vais dans l'interface de Bokeh. Je vais dans le menu type de document. Et je vais retrouver le tableau des correspondances des types de documents Bokeh vers les types de documents Zotero. Donc il y a déjà certains types de documents Zotero qui sont prédéfinis, d'autres qui ne le sont pas. Donc ici par exemple, je m'aperçois que ArteVOD, le type de document est associé à un livre. Donc je vais changer cela en faisant modifier. Je sélectionne film. Je valide. Et si je retourne sur ma notice, que je recharge la page, mon petit icône Zotero a été modifié et ressemble à une bobine de film. Donc je clique dessus et je vois que l'export a été fait correctement en film avec un metteur en scène, une durée, etc. etc. Voilà, vous savez maintenant comment changer les types de documents Zotero dans Bokeh et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.